Je m'appelle Kiddy Bébé, je suis auteur, journaliste et j'accompagne des projets d'édition comme directrice de collection. Il y a un premier livre, un documentaire vraiment, qui s'appelait Noriko, la petite japonaise. Quand j'ai ouvert ce livre qui était plein de photos et qui racontait le quotidien d'une petite japonaise, j'étais Noriko. Tout d'un coup, je me suis sentie devenir elle jusqu'au moment où elle va prendre un bain bouillonnant avec toute la famille. Et ça me paraissait tout à fait étonnant, mais aussi très intéressant. J'ai hésité longtemps à proposer aux miens de venir prendre leur bain avec moi, mais mes parents n'auraient pas accepté, je pense. Toujours est-il que voir cet endroit, ce pays, cette manière de vivre me paraissait tout à fait intéressant et très, ça m'a vraiment attirée. Je crois que j'en garde jusqu'à aujourd'hui un certain goût pour le documentaire justement. Et puis j'ai aimé un grand livre pour moi, ça a été Les quatre filles du docteur March. Je crois que j'étais aussi là, une fille du docteur March, américaine, avec son père parti à la guerre et devant composer voilà, l'arrière-garde de la famille. Il y a un personnage en particulier qui s'appelle Joe, qui était l'écrivain de la famille, qui se cachait dans le grenier pour écrire et qui essayait de publier des nouvelles dans le journal local. Je crois que je me suis beaucoup projetée dans Joe et j'espère être devenue un petit peu Joe. Au début, quand j'ai commencé à sentir qu'une histoire pouvait me faire beaucoup d'effets, je crois que j'ai eu envie d'être aussi une magicienne qui pouvait faire de l'effet. C'est-à-dire que certains livres sont tellement forts, bon, ils sont rares, hein, c'est des pépites d'or et on ne sait pas très bien, je crois que ça croise vraiment la sensibilité de l'auteur et la sensibilité du lecteur à ce moment-là, mais certains livres sont tellement forts qu'on a l'impression qu'ils ont été écrits pour soi. Ce souvenir-là, pour 100 ans de solitude, j'ai dû le lire vers 15-16 ans, un été dans le sud de la France, il faisait chaud, et je n'ai pas quitté ce livre pendant 3 jours et demi, mais vraiment, c'est-à-dire que je ne voulais pas aller me laver, je ne voulais pas aller manger, je voulais rester avec mon livre. Le Cameroun m'a beaucoup animée quand j'écrivais le livre sur ma famille, évidemment. C'est à la fois un point de départ, même si je suis née à Paris, je ne peux pas le contourner, voilà. Ça revient, mais c'est un lieu sentimental, en fait, pour moi. C'est presque un fantasme, j'exagère un peu, j'y vais. Mais c'est l'endroit que j'ai envie de garder, comme on garde une part secrète en soi, au chaud. Toujours voilà, quelque chose de moelleux, je ne le vois pas du tout objectivement avec les défauts qu'il peut avoir ce pays, mais j'ai besoin qu'il existe dans mon cœur en fait, c'est une forme de pulsation.